C'était le 21 mars dernier. Un incendie en plein centre historique de Salis-de-Béarn faisait deux victimes. Une jeune mère de famille de 19 ans et sa petite fille de 8 mois. Très vite, les enquêteurs de la gendarmerie s'étaient dirigés vers la piste criminelle. En effet, deux départs de feu avaient été éteints par les pompiers de la cité thermale dans le même immeuble. La thèse d'un troisième incendie criminel était alors confirmée par un expert. Après un appel à témoins, l'enquête semblait au point mort jusqu'à l'arrestation lundi du père de famille. Ce soir-là, il s'était réfugié dans la salle de bain et avait été sauvé par les pompiers. Après une garde à vue de 48 heures, l'homme a été présenté ce matin à la justice paloise. Une possible mise en examen pourrait être prononcée dans les minutes qui viennent.